quoi? La Disney du moment, fucking. J'ai un film. Putain, mais ils sont partout, hein. Insupportable, hein. On se fait suivre. Putain, j'avais déjà la même chose. Hello. Ça va? Et toi? Ça te gêne pas, je me garde là, juste le temps de décharger. C'était donc la première édition du e-Adventure Festival. C'est pas un salon, c'est vraiment un festival organisé dans la Nièvre, dans le Morvan, voilà, à côté d'un petit lac, donc c'est le lac des Sétons. C'est ça. Sétons. Les pros sont arrivés un jour avant nous. Moi, Guillaume, du coup, l'organisateur de ce festival, voilà, m'avait tenu au courant, et nous, entre deux, on avait calé le tournage pour les KTM électriques. C'est à Lyon, en fait, au salon du deux roues, que, en fait, on a bah, ce gars-là, Guillaume, qui débarque. L'entrepreneur, quoi, tu vois. Le gars, tu sens qu'il a son projet à cœur et tout, il débarque, les gars, j'organise un festival et tout, nous sur le coup, bah, on savait pas trop. On est bien. Première édition, donc c'est compliqué de vendre un truc, effectivement, comme tu disais, il n'y avait pas d'image. Bah, oui. Lancer un projet comme ça, d'une telle envergure, c'est sûr qu'il faut être bien accroché, et il s'est bien accroché parce que punaise, ça avait de la gueule. Hein. En fait, c'était sur une petite base nautique, un petit coin nature au bord de l'eau, on avait le coucher de soleil en face, il y avait les petits stands, donc en fait, c'était pas trop gros, bah, comme dit, c'était une première édition, mais il y avait une ambiance vraiment de dingue. Donc nous, on y est allé pas en tant que JW Shop, vraiment, on est allé en tant que Joey Will, pour voir les stands des autres marques, pour vous parler du festival, pour découvrir et vous faire nos retours et vous montrer à quoi ça ressemble. Ouais, puis c'est notre ADN, e-adventure. Ah bah là, c'est typiquement ce qu'on fait depuis le début. Voilà, donc c'était l'occasion de pas être noyé parmi beaucoup d'autres stands ou croiser des gens qui sont vraiment pro-thermiques. Tu pouvais être sûr que voilà, on allait être dans un écosystème qui est déjà favorable à ça, qui sait ce que c'est ce milieu, et donc c'était un peu une petite famille parmi la grande famille qui est l'adventure en fait, au sens large. Yeah, yeah, yeah. Thomas Bobbishop avec la Star Glory, numéro 58. Je me mets derrière, moi je suis un dingue. Ah oui, le bon vieux temps. Bouf. Il y avait Thomas Ampera slash Mobishop avec Stark Ampera, Talaria France qui était là avec la nouvelle MX-5 qu'on vous parlera un peu après, bon même si on l'a pas essayé mais on l'a déjà vu, voir bah, toute la gamme Talaria en vrai. Y avait oui, mais la MX-5 c'est quand même celle qui fait un peu parler. Ouais, c'est clair. Il y avait Ricky avec sa moto de Supermoto slash Enduro qui est en Suisse. Et puis après, bah, il y avait Electric Motion à côté de nous. Donc ça, tout ce qu'on vous a dit, c'était vraiment notre petit pôle, on va dire, en face du petit circuit de test, ouais, qui était censé être vraiment un circuit d'initiation, mais c'est parti en couille. C'est simple, il nous fallait 30 minutes poser sur nos transats dans notre stand et 30 minutes plus tard il fallait qu'on fasse 5 tours de circuit. C'est ça. Et après au final il y avait du foil, d'autres marques un peu off-road comme e-boost, il y avait des routières, ouais, des genres de trail électriques aussi, une voiture électrique, t'en parleras après. Il y avait des projets aussi un peu étudiants, oui, c'est vrai, basés sur des cartes cross thermiques avec des rétrofits, bah, justement des rétrofits aussi de chevaux, Méhari, ce genre de trucs. Oui. Il y avait un espèce de van de fou avec un panneau solaire immense. À côté du coup il y avait les skates un peu tout terrain. Ouais, genre de skate tout avec terrain. Avec la chenille et tout là. Il y a un mec en ski nautique qui va être tracté par un genre de skate. Ah bah ça tourne là déjà. Il est où? Ah non, il n'y a pas les chevaux. Ou alors le mec est pas bon.
ça dans la neige là, tu mets deux skis devant mec. Il y avait pas mal de mecs qui avaient les espèces de gyro-roues là. De... Oui, ouais, ça y est. J'ai pas compris si c'était un stand ou si c'est juste des mecs qui se baladaient. C'est juste des mecs. Ah ouais, voilà. Ouais, il y avait un vrai crew qui se baladait. des paquets là, ils se promenaient comme ça. Et après, il y avait toute la partie avec la bouffe, la scène au bord de l'eau. Ah, le côté qui fait passer. Voilà, qui fait passer de salon à festival. Ah ouais, ouais. Tout du long du séjour, ça me faisait penser à On Any Sunday. C'est vraiment les US dans les années, je sais pas, 60-60. Oui, 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 je vois bien. Tu fais de la moto dans le sable au bord de l'eau. C'est vraiment le début d'un truc. C'est trop bien. Pour parler un peu chronologie, donc ouais, on s'est installé. On a commencé par le petit terrain de... Oui. Devant le stand. Bah, moi, j'ai vite craqué. J'ai dit, vas-y, faut qu'on aille rouler. Ouais, c'est clair. On avait la Light Bee en 19-16. Qui fait 27 kW maintenant avec la dernière mise à jour. 28. On pourrait tirer à 29, mais après... Déjà, voilà. Et on avait la Talaria qui aussi, elle est quasi full custom, qui sort 17-18 kW en 21-18. On n'a pas tant roulé que ça. Oui, parce qu'en fait, même le 21-18, on n'est toujours pas capable de donner un avis dessus parce qu'on l'a pas vraiment roulé en enduro. Ouais. On a fait de la balade, comme dit, là, bah, y avait des petits chemins, bord du lac et tout, mais bah, le terrain un peu off-road. Mais on l'a pas essayé en enduro. Et je pense que c'est une des prochaines vidéos qui arrive sur la chaîne, c'est 19-16 versus 21-18. Ouais, c'est clair. Là, elles étaient exposées, elles étaient toutes propres, toutes clean. C'est pas resté longtemps. Spoiler, non. J'avais vraiment besoin de voir un petit circuit de cartes. Ouais. Et puis, bah, je sais pas, on a dû arriver. Bien sableux, bien. Une demi-heure après. Ouais, et puis au début, voilà, pas d'ornière, rien. Ouais. Puis on s'est dit, bah vas-y, let's go, on y va. Et puis on a commencé à y aller, à se tirer la bourre. Puis Thomas a débarqué avec sa Stark. Donc, nous aussi, on a pris la Stark à des moments et ça s'est vraiment tiré la bourre. Et tu captes que les gens qui passent dans ces moments-là, quand nous on roulait ou que ça roulait fort sur la piste, t'as les gens, ils comprenaient c'est quoi l'électrique, ils étaient tous en mode. Ouais, ça marche. Parce que les gens ils font les essais, voilà, ils roulent machin, mais quand tu vois les gens qui avoinent, c'est là que tu dis, ah ouais, d'accord. Il y a tout ce truc de ça roule fort, donc déjà on voit que ça roule fort, et puis ils nous entendent rigoler entre nous et tout, enfin vraiment, et sans faire de bruit, du coup les gens ils étaient grave intrigués. Il y a même des gars de chez Talaria France qui sont venus rouler, ouais, de avec la Triple X, avec la TL4000. Avec Jerry Villemblain, Delta Mix devant, ça attaque. Il roule. Oh non. T'as remarqué la revalise. Excellent. Il y a même notre cadreur Gab qui a eu ouais, en fin de séjour, on lui a dit bon allez, c'est en plus c'était la fin de son alternance, un an pile, il a jamais eu trop l'occasion de monter sur une bécane. Du coup on lui a dit vas-y, sors ton pied. Voilà, nickel. Allez hop, l'autre pied. Tu prépares. Voilà, ta vitesse constante. Bon, nickel. J'ai trop vite. Le briefé avec le cardo, ce qui est génial, c'est qu'on a des intercoms. Ah bah oui, du coup. Je pouvais vraiment me lui dire, attends, là, sors le pied et tout, c'était super safe. Il gêne tout le monde, le Gab. Et vraiment, le circuit, à la fin, il y avait vraiment des... Ouais. Bah, il y avait plus d'herbe et puis il y avait vraiment des endroits où il y avait des vraies ornières qui se sont creusées. Et vraiment, c'était vraiment terrible. Il y avait pas mal de groupes de motards thermiques qui juste se promenaient dans le Morvan, je pense, et qui ont vu le panneau au dernier moment, du coup, qui venaient voir. Il y avait aussi des gens voilà, qui étaient plus type profil VTT électrique et tout. Donc, ouais, assez là. On a eu bah, des gars qui nous connaissaient aussi. Oui. Et à force de mettre 2-3 stories en mode « on y sera », on a croisé certains d'entre vous qui, même je crois deux Alsaciens aussi d'ailleurs. Et ce qui était super drôle, c'est que c'est le gosse qui m'a dit ouais, c'est mon père qui m'a fait vous connaître. Ah oui, c'est ça, j'essaie de me remettre. J'ai pas trop l'habitude que ça marche dans ce sens-là. Puis il y a celui qui a bossé pour lui un prototype de masque sans contour. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Mais voilà, des profils super intéressants et du coup, c'était cool de voir. Et surtout, ces mecs-là, on les croise en journée devant le stand, on parle des bécanes et le midi ou le soir, bah, on va se retrouver sous les tonnels, on boit des bières. C'est vraiment le côté festival, c'est vraiment du génie. Hein. Puis il y a eu des groupes de musique qui étaient vraiment bons. Le dernier là, quand on a eu le dernier soir, ils étaient vraiment vraiment bons. On logeait sur place, ça, incroyable. Ah oui, vraiment, on se levait le matin. Hop, on avait vu sur le salon. Une espèce de bâtiment là qui s'étend sur l'eau et on était dans des petites cabines et effectivement c'était terrible. Dans notre exploration d'activité, on a trouvé un petit piste de pump track. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'avais oublié ce. Cette interlude connerie là. Ouais. Essayer de passer en double les petites buzz, le petit triple à la fin, c'était bien sympa. On a fait aussi un peu les cons dans le terrain de volée. Oui, bon, il y avait déjà des grosses traces de quad en 8 là. C'est vrai qu'il y a un quad qui est passé avant nous. Et pas de filet. Donc ça ressemblait plus à un terrain vague. Et au moins, ça fait des belles images. Regardez-moi ce magnifique ralenti. Ça allait ? Bah viens voir mon état, tu comprendras si t'as réussi. Non, c'est bon !
On a fait les cons aussi sur la plage, hein. Un petit peu là. Ah oui, on a fait bien les cons sur la plage, dans l'eau, j'ai été trempé, sans garde-boue là. Il fallait le faire, franchement, il y avait 20 plage. Ouais, je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'occasion dans notre vie de se dire on a fait des petits wheeling en bord de plage, donc là il fallait le faire. Dans les motos qu'on a essayé, les premières ça a été... Miving. Alors moi je dis Maverick parce que du coup ça me fait vraiment penser à Top Gun Maverick. Ça vole pas à la même vitesse non plus, mais... Non, effectivement, mais du coup vraiment la gueule incroyable, mais c'est vraiment une bécane pour cruiser. Ouais. J'arrive pas à dire en français cruiser, ouais. Il était chill là, ouais. Tu vois le soleil. T'es sous les arbres, tu vois le lac, t'es bien, c'est putain. Ah, avec l'accent. C'est ça, on fait pas de bruit. Eh bah oui. Merci. C'est super smooth la poignée. Ouais. C'est en mode 1. Et donc c'est en mode tellement silencieux par contre, je suis choqué. Moteur dans le moyeu, c'est sûr que... Ah bah oui, du coup. Bah oui, il y a zéro bruit de transmission. La direction a l'air super sensible, très maniable. Toi. Attends, viens à côté là. Oh, le look. Gros, c'est fou, Joey Will, gros, ouais. Qu'est-ce qu'on fait là? T'entends juste un vélo qui fait plus de bruit avec la chaîne. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai, hein, avec la roue libre, ouais, hein, c'est ça. Oh, bah, ça va faire des images incroyables. C'est trop bien. Je te vois dans le rétro, c'est incroyable. La tienne manque un peu, du coup. Ouais, mais c'est moi, c'est l'ancien modèle. Gravillon. Ah oui, putain, faut pas que j'oublie ça. Ouais. Donc Miving, le gars nous expliquait, c'est une marque anglaise. Donc ça, c'est le revendeur en France, il est à Lyon. Et on voit bien que c'est british dans les détails. La housse de sel, la petite sangle pour les batteries. C'est très bien fini, c'est très maniable, hein. C'est chouette. Hein. On a l'impression d'être sur un gros vélo, là. Oh là là. What a ride. Oh putain. Le réservoir fait coffre, en fait. Là, ah, c'est... Ça, c'est un coffre ? Ouais, il y a le petit chargeur USB dedans. Ah oui, mais mettre charger votre téléphone et tout ? Ouais, on peut tout mettre. Ah ouais ? Ah, c'est hallucinant, ça. Et c'est où le salon, là ? C'est le côté... là, vous voyez là ? Là où il y a le bâtiment. Ouais. La bonne balade. Ouais, merci. Yeah, mon premier ! Oh là, quand il y a du soleil, comment c'est bon ! Oh là là ! En basse campagne, c'est vraiment comme j'imaginais. Hein. Ah, c'est canon ! Ah, ça tue! C'est trop bien! Oh, la grande courbe! Oh là là, gros! J'ai l'impression d'être sur la lane d'origine! Trop bien! Magnifique! Ah, pour faire un tour de lac comme ça, c'est. Ah, c'est génial! Ah ouais! Et après, j'ai testé le foil. Ah ouais, l'eau, moi, elle me donnait pas trop envie. Ah ouais, mais bah, moi, je me suis dit. En fait, ça fait des années que je veux essayer le e-foil. Donc, c'est un espèce de surf avec une quille, mais avec une lame sous l'eau. Et en fait, avec la vitesse, on sort de l'eau. J'en ai vu faire en mer. Et en mer, là, tu sais, t'as des vagues et tout. Et tu les vois en paddle, ils sont là. Alors que eux, ils sont. Genre, il y a une sensation de vol. Et je voulais trop essayer. Et c'était l'occasion. Alors, l'eau était très froide, mais on m'a prêté une combinaison et j'ai pu essayer et en vrai c'était vraiment trop cool, j'ai vraiment kiffé. Ah, tu t'en es vite bien démerdé hein. Ouais, après moi j'ai un peu ce talent quand on est sur un nouveau sport, j'apprends assez vite. Il s'en sort plutôt bien. Oh. Ouais, mais puis même t'as fait quand même pas mal j'ai fait un peu de skate à longboard. Moi c'est ça qui me faisait peur, c'est que je savais que j'allais passer ma vie à me casser la gueule parce que vraiment j'ai jamais fait de surf et tout. Après Gab il a un peu plus galéré que moi, mais il a commencé un peu à kiffer parce que là il a essayé aussi. En quoi, en 30 minutes, t'avais déjà un niveau sympa hein. J'en ai fait 30 minutes. Ah, je pense. Hein. Ouais, quand même, ouais, parce que le temps de tomber, renager et tout. En fait, c'est soit la planche elle montait, soit elle descendait. J'avais du mal à rester à la bonne hauteur. Et du coup, quand elle sort trop, bah, si tu fais pas gaffe, tu tombes. Et sinon, tu fais. J'ai un mec juste avant qui m'a donné des conseils. Enfin, vraiment trop trop cool ça. Ouais, bah c'était les mecs d'ailleurs qui nous ont fait essayer les e-boost. Ouais, du coup, c'est eux qui nous ont fait essayer les e-boost. Donc, ça, c'est un revendeur allemand. Qui a plusieurs marques, mais e-boost, c'est allemand. Voilà, ouais. Et en fait, c'est un mec qui a dit j'aime bien la Suron. Mais je trouve qu'il y a des problèmes, du coup je vais l'améliorer. 21-18, grosse batterie, la selle bien longue, grosse puissance, direct une fast ace, des gros freins Formula, l'amortisseur un peu petit, même pour de l'enduro en vrai je pense que ça va bien. Parce que par exemple les drills, j'avais déjà vu qu'il y avait un petit amortisseur mais il n'y avait surtout pas de piggyback.
pas de bonbonne. Alors que là, il y a quand même la bonbonne. Rigidité globale de la bécane. Ah ouais, ouais, le pilote. Beau bras et tout. Enfin, vraiment, vraiment super canon. Et vraiment, on les a vus, on était là, encore un peu une copie. Et finalement, on a vraiment kiffé. Ouais, bah en fait, pour le prix, c'est. Ah oui, c'est ça, parce qu'elles sont, vraiment, elles sont bien placées au niveau prix. Ouais, c'est ça, en fait. T'as une batterie 72-45, mais ils prévoient de faire une 72, si je me trompe. 60. 60. Ouais, je crois que c'est ça. C'est énorme. Ouais, mais il y a de la place. Mais du coup, contrôleur, je crois que c'est un bac. Donc, il y avait quelqu'un qui n'a pas le droit de toucher au réglage. Voilà, c'est un peu galère, je sais pas trop s'il y a une appli encore. Mais les mecs, ce qui est génial, c'est qu'ils nous voyaient tourner avec la light et la talaria comme des bourrins. Et ils nous ont tout de suite dit prenez-les, tordez-les, essayez, on veut des retours, on veut du vrai feedback. Du coup, ça a pas manqué. Déjà, ça fait plaisir de nous prendre pour des pilotes test, tu vois. Ouais, j'avoue. Pour avoir un vrai reporting. Et il nous a dit soyez méchants, enfin, genre dites-nous ce qu'il y a à dire sur la moto. On veut des vrais retours, c'est ça, on veut pas de blabla quoi. On a pu tester sur la petite piste, donc pour un usage un peu pit bike cross, qui est vraiment la limite de ces bécanes, qui est pas fait pour au niveau, voilà, je disais le cintre c'est haut, enfin. Non mais c'est des petits ajustements, mais globalement la bécane est vraiment très bonne. Enfin vraiment, ouais, autonomie à ce qu'il faut, puissance à ce qu'il faut. On a fait de l'enduro un peu plus après. Les bonnes roues, et en plus on n'avait pas des pneus de fou. Ouais. Surtout ouais, moi. Bon du coup ils nous ont dit de les plier, bah forcément il y avait un support de plaque, bah pffouah. En fait on était étonnés déjà de se dire putain mais comment il tient fort. Bon il est quand même passé à et travers. Au bout d'un moment il a touché la roue, il a fait wouh. Mais vraiment on leur a mis cher et il y a moyen qu'ils tiennent déjà bien longtemps ce support. Il y a moyen qu'on fasse un vrai test enduro. Ouais. Avec des vrais pneus chez eux ou chez nous. Et peut-être, alors ça c'est moi qui m'enflamme, mais peut-être un test d'Arctic Léopard. En fait voilà, c'est qu'ils vendent aussi Arctic Léopard et donc c'est pour ça en fait dans cette e-boost c'est une batterie d'Arctic Léopard. Ah ok, ah, j'avais pas entendu ça. Ouais c'est ça. Ok d'accord. C'est pour ça que c'est une 7250 de base et qu'ils veulent essayer de... Ouais, de garder un peu. Je sais pas si d'ici 760 potentiel, je sais pas si elle est aussi dérivée d'une Arctic. Tout ça pour dire que c'est une Lightbee ou Talaria mais version upgrade avec la puissance qui va bien. Dans homologué. Homologué, donc c'est homologué 125. Ouais 125, mais bon elle est homologuée déjà c'est bien. Ouais ouais. L'Arctic Léopard commence à arriver sur le marché de la grosse enduro homologuée. Ouais. Donc non, c'est une marque qui nous faisait déjà un peu de l'œil, mais on n'avait pas la possibilité de tester. Bah là, ça va peut-être être l'occasion. Quand William finissait de faire son e-foil, ah oui. Je remballe le drone et tout, je reviens sur mon stand et un mec vient me parler. Il me dit ah, je vous suis aux vidéos et tout. J'ai une Lightbee, je crois, peut-être qui statait pour la Ultra. Enfin, on a un peu parlé. Je confonds peut-être avec quelqu'un d'autre. My bad. Et à un moment, il me sort, bah, c'est moi qui ai ramené la Porsche. Je fais quoi, pardon, s'il te plaît, emmène-moi là-dedans. On part en 911 électrique. Donc, d'origine, c'est une Type G. Donc, okay. Il fait 200 chevaux. Ouais. Et donc là, avec son moteur de Tesla, elle sort 260 chevaux. Ok. Donc tu disais moteur de Tesla et batterie de BM, c'est ça ? Et batterie de BMW i3, 30% de puissance en plus par rapport à l'origine, et on a 50% de couple en plus. On voit le compteur, il respecte l'esprit d'origine Porsche. Tout est reconnecté. Mais par contre, tout est autour de l'électrification. Ah, c'est donc on affiche les ampères, on affiche le pourcentage de batterie, tu vois. Là là, on est dans l'esprit génial. Porsche, on a les mêmes caractéristiques, les mêmes polices, tout est pareil. Ah ouais, excellent. Vroom vroom ! C'est la seule 911 que t'entends pas arriver. C'est ça. Toute la partie électronique en fait du moteur a été amputée. Donc toute la carte du contrôleur moteur a été sortie. Ah, voilà. Et du coup c'est une carte que tu mets en open source que tu peux recontrôler. Ah ouais. Par contre, faut tout paramétrer, c'est des centaines de. Tu m'étonnes. Des centaines de paramètres. Ah puis là au moins on a des routes. Ah les routes sont. Ah elles sont pépites hein. Ah ouais c'est clair. Normalement c'est vraiment chouette. J'ai un flash sur la mamie avec son fauteuil roulant. Oh putain. C'était quoi ce. En fait, elle avait trottinette. En fait, elle a un fauteuil roulant posé sur une trottinette. Ah, voilà, c'est ça. Et du coup, elle était là, et puis pff, elle faisait des drifts, des burns, dès qu'il y avait un truc qui sautait, boum. Et puis tu sais, elle était en mode. T'as l'impression qu'elle avait pas d'émotion, elle était là. Ouais, ouais. Poussez-vous, je vous écrase. C'est vraiment une rideuse Harley, tu sais. Ah, ouais, vraiment. Je crois à un moment, elle a fait le tour de la piste d'essai. Oui, mais non, on l'a pas vu, du coup. Ouais. Mais il y a peut-être. Apparemment, tout le monde en arrêt comme ça, à se dire, mais c'est quoi ce bâtard. Elle prend les ornières et tout, mais lunaire, c'est trop bien. On espère vraiment qu'il y aura une seconde édition, parce que c'était vraiment une bonne base. On a eu notre dose de roulage et on voulait essayer les motos qu'il y avait sur place. On a eu un problème, on en parlera après. L'année prochaine, s'il peut y avoir un peu plus de stands, un peu plus de monde, vraiment, il faudrait que les gens viennent, parce que vraiment, l'ambiance est folle. Ah, je pense qu'avec les images, les gens vont comprendre ce qu'ils ont loupé. Ouais, ouais. Nous, on va essayer de voir avec Guillaume pour qu'il y ait peut-être des boucles de roulage un peu plus cool, parce que du coup, il y a Electric Moto 84 qui est venu et nous disait c'est un peu trop chill pour des gens qui aiment rouler, du coup, le déplacement. Bah, il faudrait voilà, bien identifier des boucles selon les niveaux des personnes. Ouais, et là, ce serait terrible. Hein. T'es là, tu fais ta boucle, tu reviens au bord du lac, les pieds dans l'eau, là. Le potentiel est fou et l'ambiance. Enfin, moi, j'ai juste envie de dire tourner quoi, c'était, ah ouais, c'était vraiment incroyable quoi, vraiment j'ai eu petit coup de balle quand on est parti quand tu repars de colo tu sais ah ouais vraiment genre t'as tes potes là tu dis au revoir je sais pas si on se retrouvera un jour. Il y avait l'ambiance qu'on savait avoir 2-3 bières dans le nez, moi je suis ah non je suis fatigué et tout, je disais ah moi j'ai envie de faire des wheeling. Ouais, moi j'étais chaud comme la rose. Du coup il prend la lady quand on a l'air de 3 wheeling. Déjà je demande à Guillaume parce que oui. Il y avait la scène, il y avait quand même les gens, et si tu veux je peux faire un peu le cake devant, faire des wheeling, j'en sais rien, faire des trucs. Il me dit ah vas-y je suis chaud, de toute façon dès qu'on demande un truc je suis chaud. On peut aller rouler sur la plage dans l'eau tout, allez-y. Vas-y, il était chaud quoi qu'il quoi.
De nuit, sans phare, sans rien, essayer de lever. Donc Thomas, toujours le luron qui se met dans les coups un peu comme ça, la con, qui attend que ça aussi pour s'amuser. Qui me dit attends, je reviens et tout. Donc il chope une Talaria à Delta là. Et il me dit vas-y, on fait des cons et tout, on passe. Après on arrive, on se met roue contre roue, on fait un burn. Et, ouais. Et après j'avais repéré déjà deux jours la fameuse digue ouais. Là. On avait vu qu'il y avait une digue et que du coup ça pouvait sauter par-dessus. Et puis derrière ça arrive dans le sable, vraiment sur la plage, donc c'est tout mou et tout. Il y a un mec qui est venu avec son monoroue là, enfin ouais, one wheel je crois que ça s'appelle. Et il l'a posé pour nous éclairer. Sachant que même s'il éclairait, en vrai. La prise d'élan dans la pseudo creek, on voit rien, il y a des cailloux et tout, ah ouais, tout la galère. Ça bien mou. Et on voit rien jusqu'à la lumière qui éclaire la crête du kick quoi. Et puis derrière, on sait pas où on atterrit non plus quoi. Dans le noir, dans le sable. Ouais, c'est ça. Et à face à moi, les gens ils commençaient à venir. Déjà, il y avait du monde qui commençait à venir et tout. Et apparemment, les mecs qui faisaient la musique, ils ont dit à l'organisateur, mais c'est trop bien et tout, on a jamais eu nous des gens qui faisaient des wheelings devant la scène. Tout, trop... Parce qu'à la base, le gars il a dit, ouais, puis n'hésitez pas si vous voulez faire des wheelings ou des burns et tout. Et du coup, c'est là où la première fois Thomas a débarqué, a fait un burn. Ah, et il okay. A dit, mais moi j'ai dit faire un burn au hasard, je sais pas ce que ça voulait dire, mais d'accord, ok, c'est ça. Ouais, avec la light bee, donc sauter toujours plus loin dans le sable là, à faire récep roue arrière en premier, bah, grand gaz. Et en moi là, et je me pose et là j'entends. Je fais ah putain, la chaîne primaire elle a pété. Et puis je regarde, puis je vois toujours la chaîne primaire. Je fais ouais, en même temps, chaîne de 420, hein, ça aurait été bizarre qu'elle pète quand même. Je vais peut-être dérailler. Je regarde, je vois toujours la chaîne. Je crois qu'on a pété toutes les vis de la alors pourquoi éclair pour voir. Oula, ah non, c'est le moyeu capité. Pardon. Kevin. On a des vieux moyeux Warp 9 V1. Parce que du coup, on a demandé directement à Kevin, le boss de Warp 9, on a un petit problème. Ouais, bah il nous a dit en fait, c'est les V1. Entre deux, il a corrigé l'épaisseur à ce niveau-là, est beaucoup ouais. Plus épaisse. Premier soir. Moi je vois le moyeu la ligne qui éclate et je me dis oh non, moi je misais tout sur le fait qu'on allait faire de l'enduro dans le Morvan et tout. J'avais le seum. Je pense qu'on a eu un des derniers moyeux V1. Puis on a roulé un an à 25 kg. Oui avec. Et puis on l'a amené sur des gros terrains de cross. Lénia, t'as fait 5-6 fois la 22 mètres je crois. Et le samedi soir du coup on a refait avec la star. Ouais, j'avais une revanche à prendre. Et moi j'avais dit à Thomas, ce soir t'es chaud, je prends ta star. Il était encore en train de boire des bières sous les tonnels. Je suis allé lui tirer sa star sur son stand de nuit. Les vigiles, ils nous regardaient en mode. Qu'est-ce que vous faites? Bon Thomas, c'est là-bas le spectacle, je suis en train de sauter avec ta Stark là quand même. Il me fait comment ça? Et donc il est vite allé prendre la Talaria. Comment ça a l'air de la hauteur là? C'était vraiment la première édition, c'était un peu free tu vois. Oui, mais si l'année prochaine il y a un truc cadré ouais. où il y a une démo devant le concert. Ouais c'est clair. Bah du coup ça a donné plein d'idées en fait. Ouais c'est ça en fait, ça a donné des idées quoi. C'est tout ce que l'Elec doit être. Ouais parce que du coup ça fait pas de bruit. Ça. En fait ça c'est que tu te balades dans les petites allées et tout. Il y a des motos. Et t'as plein de véhicules qui grouillent. Mais aucun bruit. Ouais c'est ça. Tu sais t'as les gens qui parlent et puis oh une petite moto, un petit truc ouais, qui se passe. Ouais c'était vraiment fou ça. On a vu donc la moto qui fait un peu parler en ce moment. C'est la Talaria MX5. C'est la dernière qui arrive, une Talaria normalement homologué 50. Moi j'avoue que ça m'étonne, mais apparemment 13 kW avec là cette fois-ci une boîte renforcée, moteur plus gros avec les ailettes de refroidissement, bras arrière renforcés, chaîne en 428, moyeu renforcé, gros disque, gros frein, la fourche un peu plus grosse apparemment. Ah, oui. Je sais pas s'il y a plus de débattement, mais un peu plus grosse. Et puis batterie 72 40 okay, ouais. Avec des Samsung 50S. Ça commence à être pas mal, même si bon voilà, on reste quand même 25% de moins que nous les plus petites batteries qu'on produit. Donc avec 13 kW, moi j'ai toujours peur que l'autonomie ça pêche un peu. Un peu plus de puissance que la Ultra, quasiment le même poids que la Ultra Bi d'origine, puisque l'Ultra Bi d'origine fait 85 kg. Elle fait 76 avec chambre à air d'origine et pneus d'origine. Donc elle fera 80 avec des vrais pneus sans changer même la roue arrière pour une route 16. Et une batterie bien plus petite, genre 30% plus petite. Donc déjà qu'avec la Ultra, on faisait pas énormément de bornes. Ouais, bon, ça. La batterie de la Ultra est bridée, mais bon... Mais en tout cas, très bonne moto, enfin c'est cool là, non, il y a un gros moteur, là, puis la boîte bien renforcée, parce que nous on a les premiers avec la boîte de la TL4000. On a une moto qui est très différente de la Light B, qui ok est bien sans upgrade, mais qui est plus lourde. C'est bien, on voit que Talaria bosse vraiment là-dessus. Bah, en vrai, au moins, il y a la Light B en ultra légère, ça, en fait. La Talaria ouais. Au milieu. Hein. En fait, la Talaria se cale dans quoi elle est très très bonne à être en fait. Par contre, moi j'ai vraiment du mal avec ce gros capot là. Autant avant, leur argument c'était ouais, il y a un capot, mais par rapport à la Light B, on peut monter dessus, c'est confort. Alors là, du tout, c'est ouais, dromadaire. C'est compliqué. Mais voilà, au moins Talaria se bouge.
ça c'est cool. Bon, on l'a pas essayé, mais au moins on l'a vu, on vous montre des images un peu plus proches, et puis ben peut-être qu'un de ces quatre on pourra l'essayer. Ouais, ça, peut-être, ouais. Voir. Et si quelqu'un veut nous la faire essayer. On se tient donc au courant si une édition a lieu l'année prochaine. Vous pouvez suivre ça nous sur Insta. Si vous êtes un peu nouveau, que vous débarquez sur notre chaîne, nous à la base on fait des vidéos en tout terrain électrique, donc principalement sur ces petites motos que vous avez vues dans la vidéo, de type Suron ou Talaria. On fait aussi des reviews, des tests sur d'autres motos au sens large, ça va jusqu'à la Starglarg. Puis voilà, abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Une vidéo un peu plus ensoleillée. Ouais, parce que là on se les caille. Ouais, grave.